Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un coussin chauffant. Donc, il est ici, il est très joli. Il a tendance à devenir moins doux, plus rêche hein, en peu de temps quand on a la mauvaise idée de l'enrouler, ce qui est déconseillé par le distributeur. Mais moi, j'ai les pieds froids et il me sert à recouvrir mes pieds, donc moi, je l'enroule. Tant pis si il est un peu moins doux, hein, il chauffe toujours bien. J'en ai un, il vient en remplacement en fait d'un qui a 2 ans, qui fonctionne toujours mais qui est trop petit, je trouve trop petit, donc j'ai du mal à enrouler mes pieds, à bien me les réchauffer. Là, celui-là, c'est vraiment la bonne taille, il est vraiment nickel. Donc on a une petite télécommande ici qui vient à 70 cm à peu près du tapis, et le câble il fait un peu plus de 2 mètres, il était donné à 2 mètres 30, mais c'est un peu moins en réalité. Donc voilà, donc 2 mètres, il faut toujours qu'il soit branché, hein. Il n'est pas à pile, donc si on fait on off, il va garder la mémoire, bon c'est pas très grave, si on le débranche évidemment il la perd. Et on vient chercher donc 6, la puissance maximale, ça va pas vous brûler. On n'a pas une sensation immédiate de chaud comme on peut l'avoir par exemple avec je cherche mes mots, une bouilloire ou un sac qui va passer au micro-ondes, un sac de cerises. Mais ça va être plus long, du coup on va garder longtemps la sensation de chaleur ici. Et au bout d'un moment, on va devoir diminuer. Hein. Quand on a vraiment les pieds froids, il faut commencer à 6. Et puis au bout de 20-30 minutes, on va passer sur 2 ou 3, ça va être suffisant. Sinon, on a le sentiment que ça chauffe trop, hein, même si on ne va pas se brûler avec. Hein. Aucun danger de ce côté-là. Au bout d'1h30, il se coupe. Et puis, on peut enlever ici pour passer en machine, même si moi, j'ai pas osé. Hein. Ça s'enlève. Et c'est censé passer en machine à 30 degrés. Moi, j'avoue, je passe juste un petit coup d'éponge de temps en temps. Mais je n'ose pas trop le passer en machine, même si en théorie, on peut. Donc, voilà pour l'aperçu de ce coussin chauffant. Qui vraiment aide bien en hiver, c'est vraiment agréable. Et puis si on a des petites douleurs, des petites tensions dans la nuque ou dans le dos, on peut aussi s'en servir, même si moi j'avoue que c'est vraiment uniquement pour mes pieds que je les destine, et c'est vraiment très très confortable pour moi. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots, en espérant que cet aperçu vous aura été utile. Merci, bye bye.